Et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 15 décembre 2021, direction l'hipporome de Paris-Vincennes pour le prix de l'Angoumois. Première course de la Réunion 1, où 14 trotteuses âgées uniquement de 4 ans en découdront aux alentours de 13h55. La jante féminine sera à l'honneur sur la grande piste de Vincennes, puisque c'est le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste qui sera donc empruntée. Notons que l'allocation totale sera de 38 000 euros et que toutes nos femelles espérant le sacre s'élanceront du même échelon de départ. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 12, Alicia Bella, fille de Bold Eagle et de l'excellente Talicia Bella. Elle va essayer de signer une nouvelle victoire, elle qui dépend du redoutable entraînement de Jean-Paul Marmion et qui sera drivée par le non moins talentueux Antoine Vils. En deuxième choix, le numéro 14, Urella. Jean-Michel Bazire compte sur elle pour réaliser un grand hiver et comme elle est la plus riche du lot, déférée des quatre pieds aujourd'hui et trouve un parcours à sa convenance, elle devrait logiquement jouer la plus haute marche du podium. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Arina Dream. Laurent-Michel David la trouve parfaite le matin et comme elle est déférée des quatre pieds, il faut logiquement lui accorder du crédit. En quatrième position viendra le numéro 5, Aïnes Kalouma. Portant la célèbre et traditionnelle casaque de l'écurie de Philippe Boff, elle partira elle aussi avec la confiance de son entourage, notamment d'un certain Romain Dorieux, son entraîneur driver. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Elena Barros. Franck Nivard traversant une telle période de forme pour l'écurie de Fabrice Soulois, il convient logiquement de la retenir dans une combinaison en 5 chevaux. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 1, Lucy Rainbow. Éric Raffin est aux commandes de cette pensionnaire de la famille Buisson et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En avant-dernier choix, le numéro 8, High Energy, présenté par la redoutable famille Laurent-Claude Abrivard, sera elle aussi à retenir avec grande attention. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Ingalabré. Pas toujours simple, mais performante lorsqu'elle est décidée et déférée des quatre pieds, elle peut faire plaisir à un certain Louis Baudon. En cas de non partant, le numéro 6, Anna, piloté par Jean-François Senet, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono fait sauter la banque avec des trios extrêmement rémunérateurs, deux affichant notamment les sommes de 862 euros et 1999 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée, évidemment, pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP. Turf-fr.com.